attends. Wow, quel homme! Dis-moi, est-ce que t'as lu le chapitre qui s'appelle Relaxation? Il y a un passage qui dit « Profitez d'être sous la douche pour vous détendre ». Moi, en voyant ça, j'étais perplexe, alors je suis allé voir l'aumônier pour lui demander ce qu'il en pensait. Je voulais savoir s'il avait des conseils à me donner sur la façon dont il faut s'y prendre. Et il m'a répondu « Fiston, tu sais, désolé, je pourrais pas te répondre. J'ai filé mon manuel à un arabe contre des revues cochonnes. » L'aumônier t'a vraiment répondu ça? Si tu me crois pas, t'auras qu'à lui poser la question quand on aura atterri. Mais il a une drôle de version des mille et une nuits. Sacré Sherazade. Canceled all battles up there. And the sandstorm is coming from Al Hilla. How long do we have to wait? 3-4 hours, then it's over. You mean Iraq hours? Farid, give me a pickup with your support car. I must get to Najaf by evening. Pourquoi? Quel est le problème? La Shura. Galica, ça vous manquait tant que ça de bouffer du sable? Eh bien, capitaine, vous avez la tourista? Vous êtes bien pâle! Vous m'avez apporté de quoi picoler? Ouais, vous êtes refait! Allez, déchargez-moi tout ça. À vos ordres. Ma mère vous embrasse! Ah ouais? Où ça? Où vous voulez! Soldat Camille Grade, membre du corps médical, bataillon de reconnaissance, mon capitaine! Allez voir le caporal Malensouk au chargement. Il a besoin d'aide. Ouais, ouais, soldat Camille Grade! On fera connaissance ce soir, si ça te dérange pas. Je veux que tu me charges ça. Alors, Vachetouk, on dit pas bonjour à son petit frère? Putain, mais il peut pas me lâcher 5 minutes, celui-là. Ma mère va encore dire que c'est moi qui l'ai entraîné. Je rêve, ils ont encore oublié les jumelles infrarouges. On peut s'en passer, les nuits sont claires. The engine is going out. We tank bad petrol. Farid, you need to stop? We will mix it with better petrol. Then we're gonna make it to Lima. No names on the radio and join us after the checkpoint and we are changing to one. Hey, tourist, come on! What a big eagle! Still prohibition? If the little eagle's come to rescue, I guess prohibition's over. You know me, man. You know me. Fucking shit. Mash, kurva. 50. What the only fuck? 50. Only per bottle. Man, our aliens need to cost. No. Gimme, gimme. Yeah. I trust you. I trust you. I know you. Yeah, yeah, yeah. Doka. Alors voyons. These guys roll up in here with antiques, mate. You got shit. Pourquoi ils ont pris une photo? Parce que nos vieux pick-up se vendent super bien aux États-Unis. Gallica, oublie pas ce que tu me dois. Non. 40? Non, 50. Tiens, et voilà. La prochaine fois que les Yankees nous prennent en photo, je leur propose qu'on s'associe. Comment ça? On déclare le véhicule HS et on le revend vite fait avant que le contingent arrive. Il est trop désingué pour qu'on le renvoie, alors personne s'en apercevra. Eh, hey, tu nous balances pas le nouveau, hein? T'as pas un cousin à la logistique, au moins? Tu trouves pas qu'il a une tête d'espion? Si. Il s'est chié dessus. C'est bon, il est de la famille, les espions font pas cette tranche. Eh, hey, en parlant de famille, vous savez pas ce qui est arrivé à Fabiziak à son retour du Tchad? Il voulait faire une surprise à sa femme, alors il est arrivé sans prévenir en pleine nuit. Il se glisse tout doucement dans la chambre à coucher, il soulève un coin de la couverture, et là, il voit 4 pieds, 2 pieds d'homme et 2 pieds de femme. Alors il pète les plombs, il va chercher une barre de fer et il est abat jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune force. Quand il a terminé, il sort du couloir et là, le mec tombe sur sa femme qui lui saute au cou et qui lui fait « T'as dit bonjour à mes parents, moi ?» La famille s'est sacrée. Arrêtez la
Gallica, on se tire! Tu peux marcher? Sors du véhicule, Gallica! Tire de suppression à 11h! Couvrez-nous! Ouais, mon capitaine! Fox 07, couvrez-nous le temps que les renforts arrivent! Qui va te couvrir? Médecin! Je vous ordonne d'évacuer les blessés immédiatement! Qu'est-ce que vous attendez pour y aller, putain? T'as qu'à y aller, toi! Obéissez aux ordres! Rongeur, zone dégagée! Contact rompu à 9h. C'est une situation inédite. Ça s'est déjà vu, un soldat poursuivi pour l'acheter? Non, c'est nouveau. Comme notre présence en Irak.
Capitaine, nous avons été briefés au sujet des événements. Nous aimerions entendre votre version des faits. Notre rapport sera examiné dans le cadre de l'enquête dont un soldat va faire l'objet. Il fait partie de votre compagnie. C'est un membre de l'équipe médicale, le soldat de deuxième classe, Camille Grad. Capitaine. La situation était rude. Les tirs venaient de toutes les directions. Certes, mais les ordres étaient-ils irréalisables? Le soldat Grad était en capacité d'agir. C'est à moi qu'on s'adresse, lieutenant. Mon rapport sera sur votre bureau demain, mon général. Capitaine! Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. Vous n'allez pas mentionner l'insubordination. C'en était bien, n'est-ce pas? Et vous n'allez rien dire? Est-ce que ça nous ramènerait Gallica? Je voulais juste que vous sachiez que, à votre place, j'aurais donné le même ordre. Votre analyse de la situation était bonne. Est-ce que vous seriez allé chercher le blessé? Les supérieurs donnent les ordres et les soldats obéissent. Je ne veux pas confier ma vie à une mauviette. S'il y en a parmi nous, je préfère le savoir. Tout le monde a le droit de savoir. Do you have always the crowd like this? Muharram started. It's like Ramadan? The 10th day of Muharram, so Easter. It's the most important day for the Shia. It's called Ashur. Under Saddam, it was finished. Et du coup, vous comptez vous rattraper? Alors on peut dire adieu aux jeux de Pâques. Best girl, best price is only for drunk guys. Drive! For drunk guys. You can buy, you can buy. Alors, Farid, ça te dit pas de mater un petit film ce soir? Je sais que t'as pas le droit, mais pense au contraire. Moi, je sais où en trouver. Alors, prêt pour Guantanamo? Petit Vénard, on aimerait tous voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Soldats, allez faire votre rapport au capitaine. Ouais, monsieur. À la demande du capitaine Kaliki, vous êtes accusé de non-assistance à personne en danger et d'insubordination, pour avoir refusé d'obéir à un de ses ordres. Et combien est-ce que je peux prendre? L'article 170 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Plus l'insubordination, l'article 343 indique une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans. Veuillez rédiger votre déposition.
Je veux m'exprimer en présence de mes supérieurs, comme la loi m'y autorise. J'ai le droit d'effectuer cette requête. Je vous déconseille de jouer à ce petit jeu. On m'a ordonné de ne pas vous renvoyer à la base et de vous garder en attendant le résultat de l'enquête. Mais ne considérez pas cet endroit comme une prison. En une semaine, on a eu une embuscade et des funérailles. Ça fait beaucoup. Les travaux avancent ? Eh ben, achète la peinture. C'est pour ça que je fais la guerre. Ouais, je sais. Chérie. Gosha, si tu veux jouer à ça, la bombe qui a décapité 10 Américains hier a coûté à peine $30 à fabriquer, t'es contente? Non. Mais non, je dis pas ça pour te faire peur, mais tu pleurniches au sujet des prix des choses alors que ça n'a aucune importance. D'accord. Excuse-moi. Les gosses vont bien. Bah dis-leur. Oh, et puis merde. Non, dis rien. Ouais, toi aussi. Je vous embrasse tous. C'est ça, à bientôt. Bonne nuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. À moi, à moi. C'est quoi le record maintenant? Écartez-vous un peu, laissez-le se concentrer. J'ai parié sur lui, moi. Pourrais-je avoir cette balle, sergent, s'il vous plaît? Tu viens de m'appeler sergent, là? Tu te souviens pas de mon nom? Si, si je m'en souviens bien. Alors, utilise-le. Pourrais-je avoir la balle? Pourrais-je avoir la balle, s'il vous plaît, sergent? Va te faire foutre! T'es pas dans un cirque. Fous-moi la paix, putain! Sale con! Quoi, t'oses même pas te défendre? Lâche-moi la grappe! T'as un truc à dire, toi? Putain de sale merdeux. Je me couche. C'est quoi le problème avec lui? Il devrait pas être ici. C'était pas le marché. Thank you.
Laisse-la. Vous avez un truc pour moi? Ouais, tenez. Big Brother est sur un coup, on dirait. Vous savez ce qui se prépare? Non, aucune idée. En ce cas, je vais dormir un peu. We have verified data about the incidental assaults planned by Asadr. Their goal is to rouse the locals, destabilize the situation. If there is a fight, the city hall, as the headquarters of the legal Iraqi authority, must be held down by any means. In Karbala, excluding the Bulgarians, there's a local battalion of 300 Iraqi. With an engagement of 300 to 400 soldiers, holding down a position like city hall shouldn't be a problem. There are 40 Poles and 40 Bulgarians on daily shift in City Hall. We don't know how the locals will react. For obvious reasons, the attitude of the Iraqi soldiers trained by you is of key importance. It would be good if they prove themselves, regardless of the situation, and that City Hall will be held. Filez-moi une planche! Allez, plus vite! Donnez-moi une autre! T'as qu'à tout entourer de scotch! Arrête de caresser la ferraille, je veux des coupures bien nettes! Allez, on s'active, bordel! C'est les Irakiens. Les Irakiens, je crois. Je veux tous les véhicules en stand-by. Ozan et Mali, avec moi. Il y en a un ici. Allez, bouge, tire-toi de là. Hé hey! Come on. The heart, come on, come on. Come on. Easy.
Lieutenant, installez la relève et allez faire votre rapport au PC, merci. Oui, monsieur. Bonjour. Capitaine. Les Bulgares sont déjà là? Oui, ils ont pas perdu de temps. Leur commandant, c'est... Je sais plus, mais ça finit en off. Tous leurs noms finissent en off. Combien d'Irakiens il reste? Environ une dizaine, capitaine. Ça a l'air calme? Méfiez-vous. Vous êtes à Kerbala. Ces mecs, c'est pas n'importe qui. C'est les forces spéciales. Vous avez besoin de garde du corps ou quoi? Bon, je vous laisse avec vos amis, et je vous revois demain. Ok, ça marche. Captain Getov, 20th Landing Regiment, 2nd Infantry Battalion. Kalitsky, Captain 2. 17th Regiment Mechanized, Exploratory Company. Is your battalion the specials? I know the English language of it, but I need to get to use it. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais pu m'adresser à vous en russe. Mais en fin de compte, la langue n'a pas d'importance. Les codes de Big Brother sont toujours aussi clairs. Ouais. Quel que soit le frère. But it's still a big one, I suppose, to us. I have some people in the Balkans, but those were the blue helmets, and we are not commanders. That has no meaning. The system is simple. I will subordinate operationally, and you will command. If there is need, I can always support. Thank you. Maybe I will handle it. How many food rations have been given? Officiellement, 72 heures. Et officieusement? The same. 3 days, 3 lives. Like in a computer game. Not a single more. Capitaine, il y a une bagarre en bas. Capitaine, il a sauté sur Malensuk et il voulait pas le lâcher. Arrêtez ça tout de suite. Caporal Malensuk, votre version. Lieutenant Sabansky, retournez à votre poste. Et toi, dans ta cellule. Tu veux te faire lâcher. Capitaine, l'ordre était pour Malensuk, non? Alors pourquoi j'ai été le seul à prendre? Est-ce que quelqu'un lui a demandé pourquoi il n'a pas bougé le petit doigt? On pouvait rien faire. Et vous le savez. Tu veux être escorté par la force? Écoutez, mon capitaine. Tant que je suis sur zone, laissez-moi remplir mes fonctions telles qu'elles ont été stipulées dans mon contrat. J'ai vu les policiers irakiens lever le camp hier soir. Et l'officier, lui, il était là. Vous allez avoir besoin de mon aide. Donnez-moi une chance. Farid. Did you see? Did you report to the commander? Like they were running? Yes or no? Vashnouk! Escortez-le jusqu'à Lima. You go with them. Also report to the MIS.
Captain, please leave any potential comments for yourself. I was not planning to comment on anything, Captain. I suggest dividing the positions. Your people guard the main gate and the ground floor on the right from the gate. My people, those more exposed to the fire, first floor, windows, terraces, and ground floor on the left from the gate. Is that okay with you? Barbecue a commencé. Regardez-moi ce merdier. Putain. Quels sont vos ordres, sergent? C'est le moment de tenter un strike, non? Avance doucement. Panique pas, mais ça risque de partir en vrille. Dans une minute, ils nous canardent et on ne pourra rien faire à part de grands sourires. Avance. Any guns? No. Yes. No. No boom boom. Hey. Yeah. You got something there? Ok, allez-y. Profite du soleil, mon petit gars, parce que dès demain matin, tu seras transféré au QG à Babylone. Tu verras pas grand-chose derrière les murs. Ça fera moins à raconter pendant les rencarts et les dîners de famille. Ouais, un héros, ça suffit, c'est ça. Crétin, va. Les gars veulent aller sur le terrain pour la prime et rien d'autre. Tu parles de héros? Moi, j'emmerde la gloire. C'est des conneries, tout ça. J'attendais vos ordres, sergent. Quand t'appelleras maman, dis-lui que je me suis bien occupé de toi, sale tocard. Quand je vous ai dit qu'on n'allait pas à la plage, vous croyez que je plaisantais? Apparemment, c'est ce que Minta a cru. Lève-toi. Fais voir tes bras. C'est ça qui vous attend. Préparez-vous à des griffures et à des brûlures. D'où l'intérêt des uniformes. Est-ce que c'est compris? Lieutenant, je crois que c'est clair. Prenez vos hommes et allez vous positionner à l'étage. Bien, messieurs. Et toi, va te nettoyer, rejoins-les. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Farid, my friend. Tell me what the fuck is going on here? They are praying. Praying right now? In the middle of the street, how long it takes? I don't know, 5 or 10 minutes. Alors les filles, ça vous plaît le Moyen-Orient? Il y a un type là-bas. Il a un transistor. Il a réussi à se brancher sur nos fréquences et il espionne notre checkpoint. Faut retourner sur vos pas. Alors vous allez faire demi-tour et tournez à gauche au croisement, mais sans vous presser. Exfiltrez-le discrètement et allez directement à Juliet. Mais nous, on a ordre d'aller à Lima. Croyez-moi, vous y arriverez pas. Allez plutôt à Juliet. C'est à l'intérieur de la ville et les Yankees vous couvriront. Faites gaffe à vous. Changement de plan.
Take care. It's gonna be okay. Shut up, Luca. Please! Couvrez-moi! On y va! On your knees, on your knees. On your knees. On your knees. Leave me, leave me. Quiet, be quiet, okay? Allume ça, Rosen. Shut the fuck up. Look at me. Listen, listen. Vous apprenez notre belle langue? Keep quiet. Il va où, lui, comme ça? Contact imminent. Stop! Stop! Tire-toi du chemin, voiture grise! Veuillez vous arrêter! Mais reste pas là! Merde, ils ont roulé dessus! Je vais te tuer! Ferme ta gueule, putain! Ferme ta gueule! Mettez-moi cette pourriture dans le véhicule et que ça sente! Putain, dans le véhicule, merde! À toutes les unités, attendez les ordres. Personne n'ouvre le feu sans mon autorisation. Bien reçu, Fox 06. Terminé. Give me your jacket, give me your jacket. Give me your jacket. Nzah, comme ça, nzah. Nzah, absorbe, nzah. Bande de sale enfoiré. Fox 06 à Fox 05. Restez en contact avec Bashtouk sur les ondes courtes. Informez-moi si jamais ça bouge. Take it. Wear it, wear it. Fox 05, bien reçu. À vous. Capitaine, vous croyez que ça a commencé? Gardez la tête froide! On tire? Non, on bouge pas, on attend les ordres. Thank you.
On envoie un contact à l'extérieur pour évaluer les dégâts et le nombre d'ennemis. Vous croyez qu'ils sont vivants? En théorie, soit vous monnayez les otages, soit vous les utilisez comme boucliers humains. Alors il va falloir négocier. Ou apprendre à tirer avec la précision nécessaire pour pas buter nos hommes. Je vous souhaite bonne chance, capitaine. الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Your daughter? What happened to her? She drank water. And the wall was tainted by English anti-chemical troops. Come. You stay with us. During the last 10 years, 7 missions. I've learned to do everything around me better than my wireless. Does she handle it? I call her every day. Sometimes on Inferno on uneven days. To growing kids on her head. I also have two. My wife doesn't make it on even days. We call too often. Dogs. They bark like crazy. Okay!
Le véhicule! Le véhicule, le loupez pas! Détruisez-moi ce véhicule, c'est compris? À mon commandant Frère! Va en retraite. Fox 04 à Fox 06. Fox 06, j'écoute. Il se retire. Le secteur est sécurisé. Fox 06, bien reçu. Terminé. Aucune victime. L'ennemi a quitté le champ de bataille dès les lueurs de l'aube. À vous. Des victimes côté ennemi ? Une douzaine. De tués, probablement le double. Merci. Fox 06 vous fait envoyer une équipe pour vous relayer, comme prévu. Mon général, je souhaite rejoindre la compagnie, de mon plein gré. Vous revenez du terrain, non? Vous avez eu de la chance que ce soit arrivé après votre départ. C'est pour ça que je veux y aller. Blina! Ma chère Eric va se joindre à vous. Protégez l'hôtel de ville pendant 48 heures. Et si la situation s'éternise, je lancerai des négociations. Et quoi, vous nous direz de nous rendre? Je cherche juste à limiter les dégâts. En paix.
Sergeant O'Malley, 211 military police officer. Yeah. I cannot let you pass. Why? Half an hour ago, a patrol was blown up by a landmine. 3 soldiers dead. The entire road is filled with them. What's the situation in the suburbs? Barricades on the roads. Terrorists occupied the entrance from the south. La carte. On a une autre option. Prends la route de Bagdad pour attraper Kerbala par Alexandrie. Ici Rad 06 pour Lima, répondez. Rad 06, ici Lima, à vous. La route habituelle pour Aliada est fermée. On passe par Alexandrie. Bien sûr, terminé. Ça fait un gros détour? Environ 150 km. Lima, Rad 06, répondez. Rad 06, j'écoute, à vous. Vous ne pourrez pas atteindre Alexandrie, la ville est aux mains des militants d'Al-Sadr depuis ce matin. Kerbala est coupé du monde. Rat du désert pour Fox 01, vous me recevez, à vous. Rat du désert pour Fox 01, rat du désert, vous me recevez, à vous. Et c'est Juliette. Fox 01 à Loudmer. Loudmer pour Fox 01, vous me recevez, à vous. Loudmer pour Fox 01, Loudmer pour Fox 01, vous me recevez. Loudmer, ici Fox 06. Vous me recevez? À vous. 5 sur 5, à vous. On n'a plus de contact avec Lima. Renfort absent. On est cerné par les sadristes. Il nous faut un soutien immédiat. À vous. Fox 06, les accès sont impraticables. Population hostile, vous êtes entouré de barricades. Envoi immédiat de renfort impossible. Je répète, envoi immédiat de renfort impossible. Ça a coupé. Loudmer pour Fox 01, à vous. Loudmer pour Fox 01, vous me recevez, à vous. Restez en position. Surveillez vos secteurs. Your situation is hopeless. You've been cut out. You can live if you surrender. If you don't, you will all die tonight. Release the hostages. Then you come out, hands over your head. Depuis quand les prisonniers sont nos otages? Personne ne bouge. C'est un homme à nous. Qu'est-ce qu'on fait?
شوفونا رجينا. شوفونا رجينا. سلام ده والد. They've dressed up the local if they don't show him. It's your last chance to live till tomorrow. We know you shop blind at night. Be reasonable. Ici Fox 06, vous me recevez? Bien reçu, à vous. Vous captez les Américains sur les ondes courtes? Négatif. On n'a que de la friture. J'ai été chercher, mais il y a trop d'interférences. Continuez à scanner les fréquences et trouvez-les-moi. Terminé. ما شاء الله لازم تجي لنا. بدنا احسن وعندنا فاتح. الله يسامح. راح تيجي الايام اللي تحصل بها عوائل كثيره بكربلاء. اوبا. تفضل. نجيب الاكل. لا شكرا. المدينه تحت السيطره. بس الكفار لازمين البلديه. خليهم يطلعون وكله يصير مالتك. انت ما رح تفهم. احنا لازم نرجع البلديه السوية اللي يدافعون عنها. ولازم نعاقبهم حتى يصيروا مثل. لهذا احكي وياك. لازم تروح لحناق وتساعد اسرانا. للقلعه؟ مجسفه؟ راح تلقي طريقه، لان انت مشتغل وياهم سوى. وهم يثقون بيك. احنا هم نثق. عيتك بأمان، هذا شيء عجيب، مو صحيح؟ أسرانا بالبلدية يحتاجون مساعدة حتى يساعدونا من جوا. يعني إذا ما استولينا عليها الليلة راح نطلب مساعدتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش بنية. مع السلامة.
Capitaine ? Hmm ? Les renforts viendront ? S'ils ne viennent pas, on nous évacuera par hélicoptère. Mais nos hélicos volent pas la nuit. Les Américains, eux, ils peuvent. Give me your sector of fire. Squares 3B, 4B. Bulgarian 1B. And 2B. Minta. Voici ton secteur. Tu es à la zone 3B, de la voiture brûlée à gauche jusqu'à la mosquée. Distance 200 mètres. Prêt ? Chargé. Vous deux, avec moi. Vous avez la trouille ? Bouge-toi de là, toi ! On se bat ! Allez, allez! C'est pas le moment de jouer les lopettes! Observing the sectors. Open the fire by yourselves. Ou bien ? Non, c'est trop tôt. On va
04, Fox 04, tire depuis la mosquée. Tout le monde est vivant ? Chobanski ! Chobanski ! Okay, get off. It's hit the plate. Let us withdraw. It's taking effect. On les couvre. Couvrez le secteur 1. Sur un lieu saint, c'est un ordre. Chargez. Farid was wrong. Take your stuff. I'm gonna bring you to your people.
Emballez-moi ça, on change de position. Fox 05, situation en bas à vous. Fox 05, au rapport à vous. Sobanski, tu me reçois ? Sobanski est en état de choc. Sobanski, regarde-moi. Ça va, ta blessure ? C'est le cadet de mes soucis. C'est moi qui ai tiré sur le gamin. Une belle séquence à diffuser sur Al Jazeera. Putain, on n'avait pas besoin de ça. Pour mourir célèbre. Fox 06 à toutes les unités. Restez en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Fox 01, au rapport. Fox 01 à Fox 06, RAS. On reste en stand-by. Fox 06, ici Fox 03, au rez-de-chaussée. Notre niveau de munitions est de 20%. Berçu. Tâchez de les économiser. Get in. Won't get killed. Get in, man. Rush, man. A repeat of negotiations. They have ours this time. The people of Karbala are against you. They gave us some kids to protect them. Respect the people's will and surrender! You don't want to endanger the civilians' blood! You have an hour to surrender! We will start to fire in 1 hour!
If they start shooting during the day, we are done. Get out. Where are we? Buddy, stop! What the fuck? What are you doing? Stop! Shall I join you? ماذا افتهمك انت وياما؟ احنا اتفقنا هذا الجندي اهم من كل الاطفال. اذا هم يقتلون جنودهم ما راح يتعقبون غير عن المدنيين. احنا اتفقنا. اذا اني علاقه تقدر تاخذه واذا انت علاقه راح اعترف قريب. واخذ من هنا. Ces rations, elles doivent venir d'Éthiopie. C'est ce que disent les Américains. C'est de la merde à croire que c'est fait pour tuer ces trucs-là. À couvert ! Ok, charge le mortier, dépêche-toi ! Tout le monde à couvert ! Dépêche-toi ! Tu t'avales ça, t'es un homme mort ! Ça te bougie de l'intérieur ! Couchez-vous ! Fox 04 à Fox 06, demandons confirmation de l'ordre de rester en stand-by. À vous. Demandons autorisation de faire feu sur la mosquée. Autorisation refusée. Interdiction de faire feu sur la mosquée.
Capitaine. Capitaine. Le mec des renseignements. Il est là. J'ai réussi à racheter le sergent. Mais aucune nouvelle de Rosen ni du médecin Tiroflan. Ça donne quoi à l'extérieur? Les Amerlocs et nos hommes ont repoussé les sadristes vers les quartiers nord. Mais s'ils nous mitraillent depuis la mosquée, les Yankees pourront rien faire pour nous. Don't look that way. I don't know what will happen. Nobody trained us for such a situation. To surrender. Maybe they will cut our throats when we surrender. Or we'll bomb those motherfuckers together with those kids. And they will charge us for crimes against civilians. Nobody told us what to do. Nobody told us either. Well, talk to my men. We can approach the mosque. If we try to rescue the hostages and maybe blow up the mortar, then we'll be in the clear. Who knows? Maybe we can save someone. I can't give you any of mine. We haven't worked in such of missions. I'll talk to my men, but you have to decide what we're doing. You're in charge. C'est l'heure de l'Al-Fajr. On part dès qu'ils finissent de prier. Capitaine! Je viens avec vous. Toi, tu devrais être à l'hôpital. Ils sont blessés, mon frère. Bon, bah, dépêche-toi. T'as 10 secondes. Can you surprise them? They believe no one will leave City Hall alive. Are you ready? Tell them that old bully soldier in Karbala must surrender. Do you understand?
Understood? We'll take down some in the front. We'll try from the back. If they don't listen to you, tomorrow your execution will be the main news in your country. So, what would that sound in your language? Go! Say it. Say it! Posez les armes et mettez les mains sur la tête. Louder! Yes? Yes. Soldat Camille Grade, bataillon de reconnaissance. Va te faire mettre, sale enfoiré. Ouais, t'as bien entendu, va te faire foutre. We can go! Go!
Hartman? Allez! Hartman! Hartman! Qu'est-ce qu'il fout? Travail! Yes! Hartman! Hartman! Amenez-vous! Dépêchez-vous! Quelqu'un le voit? On n'a plus le temps! Faut partir, on peut pas rester là, capitaine! Civil blessé! Cessez le feu, j'ai des civils! Tire pas! J'évacue des civils! Stand by! Deux hommes avec moi! Couvrez-le! Allez! Altamar! Restez assis. Dire que je devais prendre ma retraite. Ça donne quoi? Un Bulgare touché à la nuque. Quelques blessés parmi nos hommes, mais aucun décès. Trois longs jours et trois longues nuits de siège. Et aucune perte humaine. Mon général, il a sauvé deux civils. Ces papiers sont déjà arrivés en Pologne. On n'arrêtera pas l'enquête. S'il passe devant la cour martiale, je dirais que mon ordre était injustifié. Vous avez tenu un siège. Vous êtes intouchable maintenant. Thank you.
3 wounded locals died during the siege. 1 prisoner was burned alive. Place of worship was fired at. Luckily, you won't have to explain anything. The official statement from the Allied forces will be that the city hall in Karbala was defended by Iraqi army soldiers trained by officers of the stabilization mission. The Iraqis were given support from coalition forces. The soldiers who actually took part in the action are bound by the non-disclosure clause. General, between you and me, it's a miracle they held out so long. Rien de tout ça n'a eu lieu, n'est-ce pas? Après tout, ce n'est qu'une mission de stabilisation, non? Ne le prenez pas comme ça, vous savez comment il fonctionne. Je veillerai personnellement à ce qu'on vous remercie avec une jolie promotion. Qu'est-ce qu'ils imaginent, ces Américains? Qu'ils vont filer une médaille à 2 Yankees et quelques locaux et qu'on va se laisser faire sans rien dire? Alors là, ils se foutent le doigt dans l'œil. Il va falloir qu'on s'y habitue. Ils veulent pas annuler les poursuites? Non. L'enquête est déjà en cours en Pologne. T'as pris un avocat? Non. J'étais là pour me faire du fric. Bon courage. Tu veux ma photo? Presque rien, je vais bien. Ce film est dédié aux soldats en Irak et à leurs familles. Thank you.
بس قلبي كبير خايف ع بلدي وشو عم بيصير الحرب عم تسبب بفقر وتعتير تدافع عن وطني وقلل التهجير من امي لبيي لاختي لخيي الوداع صعبي ودمع بين عيني قنابل عم تضرب بين جري بدي موت بارضي وتراب بين ايدي ما حدا قدنا جيش بلدنا بدنا نحارب نحرر وطننا ما حدا قدنا جيش بلدنا بدنا نحارب نحرر وطننا يا بلدي المجروح يا عراقي الحب لجلك أبدي الروح ونبضات القلب يا بلدي المجروح يا عراقي الحب لجلك أبدي الروح ونبضات القلب كنت متت بالحرب صرت أقوى جندي عالأرض مقبضة قرش تبيع نفسي تبيع أرضي تبيع حياتي وأحفر قبري بلدي علمي رايي عم ترفرف فوق جبلي عيلتي عم تأسس عم يهددوا حلمي ما بخفف لازم دافع عن وطني ما حدا قدنا جيش بلدنا بدنا نحارب نحرر وطننا ما حدا قدنا جيش بلدنا بدنا نحارب نحرر وطننا يا مهدي الإنسان يا نور الحب سي حرب النهر